Yo les noobs. Yo. Ah, hello. Si. Ici. Yo les noobs. Ah. Hello les noobs. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, t'es déjà bourré, toi? Non, pas encore. Tu ça ne saurait tarder. J'ai hâte d'en prendre plein la gueule. D'ailleurs, tu me dois de l'argent, mais bon... Oui, oui, voilà, bah justement, quoi. Justement, on va en parler de ça. Parce que hier, j'ai fait plusieurs fois la demande. Hein, et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Voilà, moi j'assume. 1000 balles tout de suite, 1000 balles en petite coupure sous un pont. Tu veux 1000 balles direct en don, là? Non, arrête, il va recommencer à faire son Jeff Bezos. Mais je te demande ce que tu veux faire. Est-ce que tu préfères attendre et les avoir pour un event spécial ou est-ce que tu les veux dans ta poche? Est-ce que tu peux t'acheter une petite Twingo comme ça avec 2000? Va bien, ta race, tu l'es de fils de pute. Ok? Your best teammate. Remember it. That's amazing, on voit vos... Waouh, sauf la mienne. Ah si, voilà. C'est bon. Voilà. Oh là là, ah, si, c'est parce qu'il voit trop, il est censuré. Enlever son numéro de téléphone, là. C'est son compte check. C'est ton anniversaire, ça? Oui. T'es né en 92, mec? Oui. Putain, t'as l'air beaucoup plus vieux. Ouais, je sais, ouais. C'est l'alcool, ça. Ah ouais, c'est sûr. Non, vous êtes beau gosse. Ah, l'euro, il est passé à droite, du coup. Ouais, moi, on m'a ripé sur le côté. Ouais, on a mis le nano là-haut, là, avec son costard à deux mais balles. C'est là. Celui qui file le plus de thunes. Mais attends, t'es en costume, là? Le type a sorti sa veste. Boulot, je viens de rentrer du boulot. Oh, le macro italien. Ah bah aïe, ça, je suis pas italien pour rien. Nano, temps, ta cam, elle lag un peu, mais bon, je sais pas si... PC à 5000, ça, c'est pour ça. C'est le PC à 5000. Ça. Non, non, là, je suis sur le Mac parce que j'ai pas de cam sur mon truc. Ah, bah voilà, c'est de la merde, mon gars. La merde, le Mac. J'ai le nom de l'équipe. En face, ils veulent s'appeler Gériatre. Oh, ça, c'est marrant, ça. Alors, ça, c'est marrant. Chaise percée aussi, non? G-E-R-I-A-T-R-E-S. C'est nul. Mais il nous entend pas, allô? Allô? Si tu nous entends? Ah, non, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec le gourmi, là? Et je comprends rien. Tout au Vachement, là, moi, la forme antique. Bon, ceci dit, Six, qu'est-ce qu'on fait alors avec cet argent? Bah, qui tout double. Non, 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 ça c'est mort. Je croyais que c'était ce que tu donnais à ta nana pour qu'elle aille faire les courses ou je sais pas quoi là. 500 euros par jour. 500 euros par jour x 30. X 30, ouais, Nani. Mais c'est. Mais non, mais. Mais c'est quand même un peu exagéré, hein, je vais pas mentir. Ça, ah, c'est plus bah dans merci les... C'est plus dans les 490. Ah, mais quel fils de. D'ailleurs, je tiens à m'excuser d'avoir dit niquer la semaine dernière. Mais bon, il fallait pas le prendre personnellement, hein, sachez-le. Deux semaines sans toucher R6, ça va être beau. Oh là là, les excuses, ça commence. Bon, allez, vas-y. Ouais, de ouf. J'ai horreur de ça. Allez, bonne chance. Merci. Non, merci. Un truc de ouf. Vous commencez en attaque, en plus. Bien fait pour votre gueule. On fait les strats qu'on a parlé durant deux semaines. Oui, on fait exactement les mêmes que la semaine dernière. C'est ça. Et oubliez pas, vous voulez être des monstres. Exclu. Buvez au lit. Ça, pas de la tisane, ni du jus de pomme. Mais Oli, ça aide. Bon, moi, j'ai remplacé le Oli par jus de pomme. Voilà. Moi, je bois souvent Oli. Ils sont vraiment appelés gériatres et on leur pète le. C'est peut-être de l'italien, non? Gériatre. C'est gelato. T'as un gelato. Vas-y, il a commencé à picoler, les mecs. Vigile. Hein. Vous avez. Ouais, parce que vous êtes trop long, en fait. Ça va être long en plus, sinon la soirée. Nano, bois un verre là. Alors, non, Baggy, prends de l'alcool un peu, toi aussi. T'as pas de l'alcool un peu? Non, bah non, j'ai pas d'alcool. J'ai du sirop de pêche. Bah, fais-toi un picon. Tu bois pas d'alcool, toi? Ouais, là, le seul truc que j'ai bu, c'est avec toi, alors. Ah ouais? En 40 ans. Ah, ça est révélation, là. C'est... Ah ouais? C'était ta première fois que tu buvais de l'alcool? M'arranger, ouais. Mais comment ça se fait que tu bois pas, en vrai? Monsieur 6-4. Comment ça se fait que tu bois pas? Genre, avec Monsieur 6-4, genre, on était deux, tu sais. Monsieur. C'est moi, je trop nez ou quoi? Pourquoi tu bois pas, le Guise? Moi, j'ai été un peu sportif pendant un moment de ma jeunesse. Ça se voit. T'inquiète, ça se voit. T'as des airs de Fabien Barthez, je t'avoue. Bah, Jäger, il faut bouger là, Jäger FK Fabien, là, pas normal ouais, ça. Barthez. Ça, c'est Galoupo ça. C'est plutôt Bartois quoi. Allez, hop, allez. Bah non. Allez, go, on passe jaune. Insertion verrière, escale jaune, les gars, je vous le dis. Il y en avait un dans admin, hein. Allez, je m'en vais, attends, je viens. Attends, je vais quand même monter là. Vas-y, monte. Je fais sonner en même temps. Vas-y. Si tu arrives à le faire avancer. Bon, c'est fait. J'ai l'œil sur la... Attends, c'est bon. Attends, j'inspecte. Est-ce qu'on peut droner sur toilette? Oui, je te drone.
J'ai vu le Jäger, j'ai vu le Jäger, il m'a piqué. J'ai tué Valky, je suis pas sûr. Y'a rien de toilette, je te donne à droite. À droite, t'es mort le Jäger. T'as tué la Valky là sur B. Non, non. Valkyrie sur B. Fenêtre CIO, Valky. Oh, l'autre il vient me piquer. Il est dans la salle de bain, Aruni. Et c'est barré. Et je rentre. Bon, putain, va te faire. Putain, c'était où? Je vous mets une drone de bac. PDG. Oh là, eh. Baggy, insulte pas les gens. Le mec, hein. Bah, putain, ouais. Elle était où? PDG, toujours. À droite. C'est bien, Alro. Bien joué. Fais pause le temps que j'arrive. Vas-y. Elle était site, hein. Je suis sur le drone back, hein. C'est ouais. Moi qui comprends une blague de pourri. J'ai encore une drone, Zago, ou pas? Ouais. Fais gaffe, Spirale, parce qu'elle m'a tué côté salle de bain, là. Elle doit être Spirale ou... Soit ne bouge pas, Zago, je te rejoins. Ne bouge pas, Zago. Ah, t'as rappelé le temps. J'aurais pas le temps. Soit vous plantez à la fenêtre, c'est Yo, là. Ouais, quand t'as la fenêtre... Ouais, j'arrive. Ouais, c'est sûr. Mettez une pression, là, vite. Ah ouais. Plante, je peux planter, vas-y. Ben voilà, Retapix. Oh là là, toujours attendre à la dernière seconde pour planter. Hein. Bon, ça va te courir dessus. Bien, ouais. Dommage. Merde. Nice try. Tu pouvais pas lui couper la connexion, le Guise, à ton fils, là? Bah, si tu veux. Il a aucun respect. Regarde ça, il a aucun respect. Mais il a raison. On aurait tous fait pareil. Je vais passer par le bac. T'aimes bien passer par derrière? Ah ouais. Fais gaffe, y'a un Mozi, les gars, putain. Oh là, il m'a pris mon drone. Putain, ouais. Et le Guise qui commence. Vas-y, à Baggy, gueuler. Tu peux y aller. T'es en bas, du coup. En bas? Ouais, il s'en va. Du coup, je vais mettre Baggy, un. Baggy, il est en train de jouer à Trackmania là. Parce que normalement, tu peux mettre ton drone là. Voilà. Il est bien caché. Ah bon, d'accord, okay. Bravo, fais une vidéo YouTube. Hein. Et tu peux le mettre jusque dans le coin. Incroyable. Garage ouvert, les gars. Garage ouvert. Ok, ça marche. Ils ont renforcé un côté. Ouais, mais tu veux qu'on passe piano du coup? Je vois rien dans le VIP. Hein. Je vois rien dans le VIP. Juste un peu de verticalité. Mais qu'est-ce qu'il fait, son drone? Et il fait le tour. Garage fermé, j'arrive. Non, je vais. Ah, y'en a un SK. Attends. Rien, le Mozi sur la gauche. Ouais, dire que ça va être le prochain du 3M, lui. J'open, hein, il s'en fout. Non, non, il est con. Banane, le grenade. Je vais me faire tel. Vas-y. Ah bah, il est peut-être loin. Attends, allez, Pilar, toujours. Tu prends banane, nous on va aller sur. Voilà, on va faire piano. Il y a des gens qui niquent des mères, il y a des gens qui niquent des pères. Vas-y, Alro. C'est honteux. C'est son fils en bas. T'as une cam devant la bombe, une cam toute pourrie. Mozi, attention, ça va rien faire. Voilà. Moi j'ai plus de drone. Il vous reste une minute, les gars. Attrape, hein. Allez, viens. Attends, ça vient juste derrière. Ah putain, dans mon bac, dans le main. Le Mozi encore. Dommage, Zago. Là sur la droite. Zago, t'es où? Il est en bas, garage. Next garage. Putain. Oh. On est vraiment pas chaud. Faut boire, hein, je pense. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Je fais que ça. Sachez que chaque fois qu'on vous rejette, ça nous donne envie d'arrêter Rainbow Six. Mais c'est parce que j'ai pas pris. C'est parce que j'ai pas pris Yana. Non, c'est parce que t'as pas pris. C'est aussi ça. C'est tout le problème. Y a rien qui va. Bah Guy, arrête avec Montagne. Allez, je sais. Oui, bah voilà. Ce que tu fais avec un Montagne, tu peux le faire avec un drone. Et au moins, tu peux. Bah change-le là. Prends autre chose. Et ils sont où? Dans ton cul. Ils sont expo, ouais, enfin piano expo. Et tout ce que tu fais avec le montagne, non mais pas Ying non plus, prends du sledge, bah, un truc qui bouge. Okay. Tu peux pas passer de montagne à Ying, c'est deux joueurs totalement différents. Bah, je sais. Garde des lignes à la limite. Et il faut un hard breacher, les mecs, non? Vous voulez pas, non? Fais-moi confiance, Baggy. Ce que tu fais avec ton montagne là, essaie de le faire avec un droning sans perdre ton drone. Marche. Et une cam Valky là, au T1. Et prends des lignes de merde pendant que tes potes ils travaillent. Tu... Ok, vas-y. Il y en a un qui se met. Côté fenêtre dressing, vous savez le petit closet. Stop, ok, stop, deux secondes, ça ils comprennent pas. Je reprends le lead. Tout le monde au top, point, 100% au top. Personne ne fait ce qu'il est en train de faire, tout le monde prend le top. Contrôle du top et on commence à discuter sur la prise du top. Allez, on va y rien. Vous êtes où là? Vous pouvez rentrer top jaune, hein. J'en rappelle top jaune. Attends, je pense que je vais mourir. Bureau PDG, y'a rien, c'est clair. J'ai des réflexes de lancer. Ouais, t'as dû attendre, mais...
Réu, y'a rien, c'est clair, Réu. Y'a un mec qui remonte, je crois, c'est bizarre. Je rentre admin, on fait la verticalité sur PDG. Toilette, y'a rien. Avant de faire l'œuvre là, qui est-ce qui tient les bacs? Mets une clé mort dans le bac. Une clé mort, ça pue du cul. Un drone et quelqu'un dort sur le drone, voilà ce qu'on fait. Allez, on perd pas de temps, on va à l'autre bout. Alors, Zago, c'est bon. Le top colis, c'est ok. Non, laisse-le ton drone dans le top colis. Ah, ça, c'est une intersection. Là, voilà, il dort sur le drone. Baggy, viens ouvrir les trappes. On perd du temps, Baggy, à faire ça là. Y'a un drone qui dort sur le drone. Baggy, dort sur tes drones. Ouais, Baggy, viens. C'est Sledge, on aurait besoin de Sledge. Non, 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 switch sur les drones, Baggy. Ah, oui, switch sur tes drones. D'accord, voilà. T'as pris ça, dormir. Dormir sur les drones. Escalier de service. Voilà, escalier jaune. Ok. Escajon. Jaune, je vois. Il est là, il est sur mon ping. Vas-y, ici, ping 3. Ping c'est 3. Pas Escajon, ça c'est Escavisa. Faut le défoncer lui, allez, on joue. Baggy, il est à côté de toi, vas-y, go jouer avec toi. Go jouer avec ton pote, derrière toi. J'arrive, dans le yellow aussi, les gars. Jagger dans le yellow. 46 secondes, faut vraiment jouer sur la verticalité, faut accélérer. C'est clair, vous avez tenu les bagues. Vas-y, défonce la verti. Allez, faut jouer le yellow maintenant. Pas des trous par lesquels tu regardes, s'il te plaît. Fais que des trous, plein de trous, et tu regardes pas par ces trous. Jouer. Allez, ça push yellow. Let's go. Tu restes sur la partie. Putain, y'en a un autre, yellow. 20 secondes, on se parle. J'ai l'exposition. Il est mort. Allez, faut que tu rotas maintenant, 15 secondes. Je récupère le diffus, je plante piano. Est-ce qu'à colimaçon le dernier? Allez, let's go. Saute par la trappe. Je plante sous la trappe. Ah putain. Couvre, plus de bruit. C'est bon, je suis sur le piano. Il est rentré. Il est à droite, à droite. Il est reparti. Pas grave, ok, stop, laissez-moi. Faites une pause, s'il y a une pause. Ok, qu'est-ce qui a merdé, là, à la fin, là? Browning, enfin, Alors, moi, j'avais... Savoir où était le dernier. J'avais pas des infos où était le diffuse. C'est moi, je l'avais récupéré. Non, il a récupéré le diffuse, il est en train de planter, Rainbow Six, c'est comme ça, etc. C'était à toi de tenir la cover, et à la limite, s'il meurt, là, il aurait fallu que tu fasses le kill. Mais ça, on s'en fout des 5 dernières secondes. Le duel était mal joué, mais ça, c'est pas très grave, ça. Ce qui est relou, en revanche, c'est de s'apercevoir que si on a manqué de temps à la fin, c'est parce qu'on a pris trop de temps au début. Quand on vient jouer sur la verticalité, premièrement, on va tous au top. Deuxièmement, on met des drones à des intersections et Baggy, tu dors sur les drones. Ça veut dire combien y a-t-il d'escaliers dans une map sur lesquels les gens peuvent remonter? Vous avez vu que vous avez fait 2 kills, un yellow sur une remontée et un, il va revenir, Visa. Et un sur Visa. Pourquoi? Parce que quand vous jouez sur la verticalité, les gens remontent, les gens sortent de leur terrier. Donc vous faites ça, vous jouez sur la verticalité, vous mettez des drones pour couvrir les bacs et là, Baggy, plutôt que d'être sur un montagne qui sert à rien et où tu perds du temps et tu ne contrôles qu'une partie de la map, tu switches entre les drones et tu demandes aux gens, tu dis il me faut un drone Visa, il me faut un drone jaune, j'ai pas de drone colis les mecs. Et une fois que t'as ça, c'est bon, tu les laisses en fait s'amuser, tu sais. On peut s'amuser à jouer sur la verticalité, de toute façon ça va les faire remonter. Et après, bah où est-ce qu'on attaque? Et on descend. Donc là, la question, une fois de plus, c'est quoi la première question à se poser? Donc là, ils sont au top. C'est où c'est qu'ils sont? Ils sont au top. On plante tout. PDG. Ok, donc PDG jaune, normal. Il faudrait un drone sur bas jaune, un drone sur colis. J'ai mis le drone colis. Non, pas drone. Non, il n'y a pas besoin de drone colis. On va juste prendre le jaune et jouer sur le rappel de la PDG. C'est tout. Le seul truc dont on va avoir besoin, c'est en jouant dans le jaune, il va y avoir des gens qui vont nous remonter dans le cul. Faut redoubler de vigilance sur un tout petit périmètre. Donc là, faut pas perdre de temps parce que. Allez, on y va, jaune, on rentre pas piano, on a pas dit piano là. On va jouer le jaune, on drone le jaune. Désolé, mais j'ai. Il y a des rappels au niveau du jaune. Il y a de la frost et du thorn, les gars. Il y a un mur renforcé jaune, 2 fenêtres jaunes et la skylight jaune. Ça fait 4 personnes. Ok, on a perdu pas mal de gens. Le Guise, on a jamais dit d'aller sur le balcon. J'ai parlé de PDG et j'ai parlé d'Esca jaune. Je vais prendre les drones. Donc où est-ce qu'il va le diffuse? Il n'y a pas de drone bas jaune. C'est bon, il y est. Il y a quelqu'un derrière le bouclier, il y a quelqu'un derrière le diffuse. Avec mes potes. Non, mais non, tu fais de la merde. T'aurais failli mourir. Je vous donne le dernier. Stop, on fait pas le kill. On veut pas faire le kill. On veut pas faire le kill. Va poser derrière la fenêtre, Alro. Pas moi qu'elle diffuse. Oui, mais c'est le Guise quand il aura pas perdu du temps pour rien. On veut pas faire le kill. Je vous vois. On veut pas faire le kill. On va pas chercher le kill. Nom de Dieu, bon Dieu. Viens poser derrière la fenêtre. C'est ouf ça. Pas grave, impeccable, c'est normal, il y en a un qui le remplace, l'autre qui tient sa coupe. Je tiens la double porte. Parfait, Baggy. Là, t'as même pas besoin de le dire, situational awareness, on plante. Merde, ça annonce. Il arrive. Oh, et on fait le revenge. Bravo, Rainbow Six. Rainbow Six, bien joué quand vous écoutez. Voilà. Une bombe qui plante, un mec qui couvre, des lignes qui sont prises. Si vous faites ça et vous le mettez en place, vous allez level up. Si vous faites pas ça, vous avez rien compris à R6. Et quand on parle du premier truc à savoir, c'est où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'on va, mais où est-ce que le diffuse y va. Le Guise, tu perds le diffuse sur le balcon, bah t'es responsable, mec. Je suis pas perdu.
Je laissais mes potes faire le travail. Non. C'est juste de savoir si le move il est à variance positive ou négative. Tu servais à rien sur le balcon. J'ai juste une question. Oui. Pourquoi c'était pas intelligent de passer piano pour jouer des greux par en dessous? Or, on apprend à marcher et ensuite on apprend à courir. Vous êtes pas assez bon à l'heure actuelle pour avoir un contrôle de plusieurs étages. Mais donc est-ce que quand j'ai bu du rhum, j'arrive à garder plusieurs étages? On s'en bat les couilles. J'ai un drone bas jaune. Hein. Moi, ça me fera plaisir quand on ajoutera ce genre de truc-là, verticalité positive, parce qu'à un moment, tes potes yellow, ils sont pas cons en face, ils vont s'adapter. Bah ouais, justement. Ok, donc c'est la même chose. Je mets sur les cams. Stop. Bas jaune. J'ai besoin de parler. Stop. Oui. Je suis désolé. Ça sert à rien. Quand je dis stop, vous bougez pas en fait, parce que vous allez pas écouter. Quelle va être la finalité du round? Qu'est-ce qu'il nous faut et à quel endroit? Bah, il faut qu'on prenne CEO. Hein. Non. Par le yellow. Ils sont en haut. Non, ils sont en haut, donc on passe par Alors, le jaune. Alors, arrête le de jaune, bouger, on, s'il te plaît. Nano, pareil, arrête de bouger. On ouvre le jaune. Il y en a un qui se met sur le drone bas jaune. Ensuite, il y en a un qui se met à la fenêtre top jaune pour prendre la ligne jusque sur Ok, mais là, tu rentres trop dans les détails. Très simple. D'accord, il va y avoir un mec dans le PDG. Il va y avoir un mec sur la fenêtre CEO. Et il va y avoir quatre personnes au niveau du jaune, en fait. À peu près. Donc, vous voyez si vous prenez tout ou pas. Dans le jaune, il y a plein de trucs. Pour prendre de la meilleure façon le jaune, regardez bien, allez-y maintenant, allez tous à l'esca jaune. Il y a deux fenêtres esca jaune, un skylight esca jaune et un mur solo renforcé esca jaune ou pas renforcé. Ça Il fait 4 endroits. Si vous faites ça à 4, vous défoncerez tout ce qui se passe au niveau du jaune. C'est tout. Ok, je suis à la verrière jaune. En avant. Vas-y, ouvre. Ouvre le jaune et ensuite... Il est où c'est qui? Je suis à la fenêtre, c'est Yo. Je vois rien jaune. Ah c'est... Bah viens ouvrir le jaune. Good, vite. Yeah. Pendant Super que j'entends call. Ce qu'il y a sur... Super le call ça. Voilà, vas-y. Et puis moi je vais tenir la même ligne jusque sur PDG, donc toi... Okay. Il y a Capcan sur Ping 4. Ok, je me mets sur les cams. Il y a pas de cam back jaune. Mort back jaune. Je mets une cam back jaune. Ouais, je mets un nomade aussi. Super, Baggy, reste dessus, poulet. Parce qu'ils sont débiles, tes potes, là. Ah, putain, le feu de merde, putain. Y'a Soda, y'a Mélusine, les gars. Soda. Long. J'ai plus de droit. Baggy, faut que tu accélères un petit peu. Parce que maintenant, tous tes potes sont un peu morts, il faut que tu fasses quelque chose. Dommage. Pas grave. Tiens, vas-y, me casse les couilles, lui. Choix, hein, faut que je rentre, long. Vas-y, c'est bon. Pas grave, c'est jaune, normal. Jaune. Bas jaune. Jaune, ça va remonter. Bien wesh. Oui. Jaune. Allons, ça arrive. Chut, ne backsitez pas. Vous avez que des drones à regarder. Dommage. Nice clutch, c'est pas grave. On a discuté parce qu'on a mis une minute à y aller, etc. C'est juste qu'une fois de plus, vous êtes en train de tout à l'heure, tu me dis pourquoi est-ce qu'on va pas jouer sur la verticalité, etc. Machin. Vous avez un endroit de la map à prendre à 4 et vous êtes pas capable de le faire correctement. Il y a des fenêtres en rappel sur l'esca jaune. Personne ne s'est mis en fenêtre au rappel. Et vous jouez pas les problématiques les unes après les autres. Vous vous laissez submerger par tout un tas de problématiques qui arrivent en face de vous. Quel est le premier truc, un mur. Ensuite, il y avait un fil barbelé. Il faut y aller one by one. Faut pas commencer à prendre des lignes sur un mec qui est à l'autre bout alors qu'il y a deux capcans et un truc. Il faut qu'on discute. Ok, c'est en bas. Ouais, du coup, en bas. Attends deux secondes. Vous allez devoir prendre le piano et vous allez devoir prendre la salle d'exposition dans laquelle il y a une trappe à ouvrir. Trappe à ouvrir. Je dis juste comme ça, en insistant sur ce message. Le meilleur des moyens pour tenir ça... Pendant que les mecs vont travailler sur la verticalité, c'est d'avoir la fenêtre du rez-de-chaussée de l'esca jaune et très certainement attaqué par le main. Voilà de ce dont on a besoin. Quand on aura ce carré-là, qui va du main jusqu'à la statue, jusqu'à l'esca jaune, c'est le carré de la map sur lequel on va travailler. Attends, je te drone, Dano. Noir, fois pas. Lounge. Attends, je te donne lounge. Ok. Statue, c'est ok. Je t'emmène jusqu'à expo. Ouais, j'ai le drone piano. Expo, ok, il y avait déjà un drone sur expo. Personne piano, okay. C'est clair. Piano, attends, même dans le closet. Oui, j'ai vérifié. Ok, ça marche. Allez, je laisse un drone au niveau du banc. Cool. Rentrer jaune, le guide, même si chose. Tu veux. Les endroits, voilà. Les endroits où vous allez travailler sont clear. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que personne ne vienne nous faire chier pendant qu'on travaille là-bas? Jaune.
J'ai mis du Nomad John. Prenez le bac. Je mets du Nomad. Ah, mettez-moi des drones dans le main. Escabanane si c'est possible. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien, Nano, de demander les drones. T'as plus besoin de regarder autour, Baggy, maintenant. Tout est couvert quand on fait bien les choses. John. Maintenant, on peut commencer à parler de l'autre truc. La porte du garage. Je vais l'ouvrir. Il n'y a personne pour. Alors attends, parce que. Encore un mec garage... bas jaune, je crois. Est-ce qu'on fait, on open le garage? Ouais. Bah oui, oui, oui. Non, il est où lui? Non, il est pas bas jaune. J'ai pas d'infos, les gars. Une minute, les gars. C'est open on encore. Est bon. Hein. C'est bon. Un mec kitchen. Je reste sur la trappe. John C4. Alro, est-ce que tu peux mettre un truc non, non, un truc si t'as j'ai plus. J'ai 50 secondes, t'es le guide, je faut que tu drones le site, tu viens d'ouvrir un putain de truc, tu drones et tu prends l'info de est-ce que tu peux planter ou pas. Voiture rouge, le guise. Y'a Valkyrie. Alro, jouez l'averti sur voiture rouge, jouez l'averti sur voiture rouge. Alro, ici. Ouais. Attends, je vais faire exploser sur la voiture rouge. Bien joué les gars. Il y a encore Valkyrie là. Go, faut planter maintenant, stop, on joue la plante, Alro, s'il te plaît, Autoroute, je suis au niveau de la... C'est bon, je peux planter, vas-y. Je suis au niveau de la trappe. C'est planté, c'est planté. Double planté. Super ça. Félicitations. Bien joué, Baggy, magnifique, t'as bien fait d'ouvrir au-dessus de la voiture rouge, bien joué, Baggy. Putain. Merci, c'est votre call hein, sur la voiture rouge. Hein. Non, mais en revanche, quand je vous dis des trucs et que vous écoutez pas et que j'entends des Hey, les amis, avec tout le respect que je vous dois, si je vous donne des calls, c'est que bon, je m'y connais un petit peu sur Rainbow Six quand même, non? Donc, si je vous dis de faire ça et ça, c'est pas pour vous faire chier en fait, c'est au contraire pour que ce soit meilleur. Bien sûr. Non, mais. Donc, si je vous dis un truc, c'est juste pour bien faire les choses. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a une pause sur le timer. Eh ben, on est rentré dans le main. On s'est assuré que personne ne remonte au bac et on a fait. Voilà, on travaille la verticalité. Ouais, voilà. Non, mais on est rentré, on a pushé main, on a fait en sorte qu'il y ait personne. Justement, ils nous back dans les arrières avec les drones, etc. J'étais sur les drones. Ensuite, ils ont push escajone. On a ouvert le garage. Et puis, il restait le guise au top. Qui a fait les bons trous, bons endroits. Voilà. J'entends. De façon plus générale, voilà ce que vous avez fait. Vous avez déterminé une zone de travail. Piano. Exposition. Pourquoi? Parce que si vous avez piano et exposition, alors vous avez le bon site. Vous avez établi un périmètre autour de la zone de travail qui allait du coup jusqu'à le couloir exit et le main en mettant des drones pour vous assurer que aucun casse-couille allait venir vous faire chier dans votre zone de travail. Une fois que vous aviez établi la zone de travail, on peut pas attaquer sur Rainbow Six que d'un côté, c'est pas possible. On peut pas faire que de la verticalité. On ne peut pas faire que la porte du garage. Donc on attaque sur deux plans, on crée des lignes. Et pour faire ça, on va à la porte du garage, on s'aperçoit qu'elle est difficilement ouvrable, et après on va au piano, ou on va au piano, puisque toutes les problématiques qui pourraient être autour de la porte du garage nous permettent de l'ouvrir. Alors on fait la deuxième option, qui est la plus simple. En ayant le contrôle du piano, on a le contrôle des deux côtés du garage. Ce qui n'est pas le cas si on va direct à la porte du garage. Le seul truc que j'ai envie d'entendre, c'est est-ce que je peux planter? Voir un Alro qui va se balader dans la kitchen, ça m'énerve en fait. Parce que ça passera contre des gens qui sont nuls. Alors que de voir une équipe qui dit « Moi, je peux pas planter tant que le mec rouge n'est pas mort. » Ok, Baggy qui se dit « Bah, tu sais quoi, j'ai encore le contrôle de la verticalité, je l'en par au-dessus. » Terminé. Le gars, il a pris la foudre. Derrière, le thermite balance ses smokes, plante. Bravo, c'est du beau Rainbow Six. Pour ma défense, c'était le Tachanka Kitchen. C'est pour ça que j'ai voulu y aller, parce que je savais qu'il allait faire chier. Et puis d'un autre côté, Poulet, c'est aussi que tu coiffes l'objectif au moment où ça plante et que t'as rien à branler. Donc c'est très intelligent en soi. Mais c'est juste que je voulais mettre en place un truc où je veux vous faire voir oui, que... j'ai compris. Alro, arrête avec ton Rook, s'il te plaît. Il est très bien, Rook. Ouais, mais non. T'es trop fort pour jouer un perso aussi pourri. Il y a trop d'opérations. Ça arrête de me flatter comme ça. Comparativement au reste de l'équipe, tu es trop fort. Vas-y, voilà, ça y est. Voilà. Oh. Les murs jaunes, il est pas en faux, c'est normal ou pas? Il est en faux. Nano est sobre, ouais. Malheureusement. Mais attendez, c'est le début de la soirée. Hein. Ouais, mais bois un petit verre. Mais deux secondes, je viens de finir ma tisane. Ça va venir. Ok. C'est où que ça tape là, la porte, la fenêtre? Je crois que c'est Visa hein, et admin. Hein. J'entends un montagne, je crois. Je crois qu'il y a un montagne. Ou un blitz, un montagne ou un blitz. C'est un montagne. Il est où? Où est-ce qu'il y a jaune? Jaune, ok. J'ai tué un drone colis. Ah, ça c'est pas bien joué ça. Ah putain. Bah jaune avec you. Sa mère, j'ai fait de la merde. Je suis un peu dans la merde. Je sais pas où les gars. Oh là là. Wouh. Ok, ça c'est pas trop mal.
Et il faut m'aider avec mon time là, ça devient compliqué. Attends, parce que je vais sledge sur la fenêtre, moi. Murex, t'es jaune, Blackbird. Sur l'échafaudage. Montagne sur moi, sur secrétaire. Y'a une montagne? Ouais. Y'a rien colimaçon. Oh putain. Mais je... ça rentre top colis. Ouais, ça rentre top colis. Dommage Baggy, tu aurais pas dû faire ce move là. Montagne qui me push. Je voulais prêcher. Montagne qui me push, les gars, il faut venir. What? Mais où? C'est rentré les gars. Couille. C'est quoi les infos, les gars? Ah putain, les gars, salle de bain! Tu, secrétaire, sur secrétaire! Montagne qui plante. Le montagne il plante, hein. Il plante où? Il a planté dans la fumée, le sérieux? L'autre il est. Sur. Putain, les gars. Prenez des trucs casse-couilles! Un rook, ouais, par exemple, tu vois? J'ai pas eu le temps de changer, Je l'ai déjà dit, rook, ça pue la merde. Mettez de la Rooney, du Lésion, pas de Thunderbird, là, du Capcan, ouais, voilà. Azami, c'était pas mal ce que t'as fait. Pas au début, c'était de la merde, Nano. Mais après, quand le montagne te push et de le bloquer au niveau de la tête, c'est un move intéressant, ça. Escavisa! Fenêtre sur nous. Escavisa 2-2-2. C'est rentré, mais putain! Ça arrive, hein, c'est in, les gars. Okay. Je l'ai tué. Il y a encore l'autre là, comment il s'appelle? Kali, elle est dans le pack, hein, sur A, de l'autre côté, les gars. Escajaune, ça a pris une lésion. Ça a pris une gu. J'ai même pas entendu. Personne colis, hein, Zago. Kali mort. Ouais, j'ai encore un mec dans le jaune qui drone. Mais pourquoi le décaler? Ah, putain. Voilà. Mais ouais, je... Bien joué. C'est pas mal, les gars, je suis désolé, putain. En revanche, Alro, quand tu fais du roaming, et si t'as fait une poche de résistance et qu'ils viennent pas te jouer, bah c'est toi qui te transforme en backstabber, quoi. C'est à toi de venir les faire chier au niveau de visa quand Baggy meurt au niveau de visa. Premier point. Et deuxième point, après, le mec était dans Escajaune. Ok, il était dans Escajaune, mais vous étiez en supériorité numérique et derrière toi, il y avait la ligne Maginot, frérot. Il y avait deux Azami, deux Barbelés et un Mélusi. Quel moment tu vas essayer de prendre des risques? Ils ont pas cassé ça. Donc tu restes derrière tranquille, t'as Mélusi et tu dis, bah vas-y, bah viens me chercher maintenant que t'es tout seul, toi, dans l'escajaune. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, allez, en avant. Zago, non, là. Ça a toujours été le sixième, Zago, les poulets. Thorn, c'est comme Rook, hein. Vous avez vraiment envie de jouer les opérateurs qui servent à rien, quoi. Je regardais pas. Juste un truc, et si tout à l'heure il fallait attaquer le piano, maintenant il faut le défendre, le piano. Bah, allez, forcément. Allez, Nano, renforce ton mur là, à droite, là. Reste là et meurs là-dedans. D'accord, mais je vais pas mourir. Bah, parfait. Fais perdre le maximum de temps, t'as compris. J'ai du brouilleur, les gars. Je sais pas où. Ça ouvre garage? Dis-moi s'il plante, hein. Je balance un C4. Hein. Zago, c'est l'endroit où tu dois pas mourir, pas faire de kill. Ok, recule, monte sur le truc, reste dans le coin, bon courage. Attends, contact à toi, Zago, à gauche. Thermite. C'est Bajon, non? Thermite à la breach. Vous me dites, hein, si je dois backstab. Baggy, t'as un œil sur le. Juste, il a la breach, le Thermite. Ouais. Touché Thermite. Je l'ai touché aussi. J'ai la cam, ils l'ont pas cassé. Ça joue allongé là. C'est moi qui suis allongé. Okay. Je pense qu'il rota ça. Ouais, y'en a un dans la porte jaune. Ok, j'ai le diffus. J'ai la porte jaune. Ok, bah c'est le mec jaune qui est mort. Non, c'est le Thermite. Ok. C'est Thermite, ouais. Au niveau du garage il est sur toi, Nano, je crois. Piano, je crois. Il me semble, non? Garage. Sûr? Ok. Oui, info sur. De toute façon, ils ont pas le diffus, hein. Prenez-vous pas la tête. Bien joué. Juste un truc là, le mec pendant 10 minutes, il était à la porte du garage et il essayait de te tuer, Zago. Et c'est là qu'il faut faire la différence sur Rainbow Six entre des endroits où il faut être agressif. Genre le piano, c'est un endroit agressif dans lequel il faut mourir. Le but du jeu, c'est d'attirer le maximum de joueurs et de les défoncer à l'intérieur du piano. C'est un endroit délocalisé de la défense. Et l'endroit dans lequel t'étais, Zago, c'est l'endroit dans lequel on s'en bat les couilles du nombre de kills que tu fais. C'est l'endroit dans lequel tu dois surtout pas mourir. Parce que si tu restes à cet endroit-là, ils ne peuvent pas planter. Tu veux pas prendre Mira Mira, ça sera pas mal. Merci. Ok. Il ira bien, moi. Ça me casse les couilles. Je croyais que j'allais dire ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Putain, c'est la première fois qu'on est autant sérieux pendant les héros. Hein. On va pas mettre l'autre Mira, tu sais où la mettre? Dis-moi. Tiens, regarde, tu la mets là, tu mets un renfort. Sérieux, tu mets un renfort et tu la mets dessus. Vas-y. Peux-tu te mettre un mute? J'annonce ou pas? Non. Annonce-le. Ça va arriver derrière Colimaçon.
Ah, j'ai rien vu. Colimaçon, il y en a aussi. Peux tu faire? Ah, vas-y. Bah, elle me l'a mise. Il y en a un. Colimaçon, ça monte, les gars. Colimaçon, ça monte. J'ai plus la cam. Prends ton boubou, le guise. Et viens me positionner ici. Là, ici. Ping 2. Jaune, je crois. Pas sûr. Ouais. Putain, je tire à côté. C'est ton fils. Ah, ça va arriver, jaune. Hein. J'ai eu Colimaçon. Repousse ton boubou, voilà, très bien, ok, et voilà. Moi je suis sur la cam. Non, dans le bac, je l'entends, ouais, je l'entends, je l'ai entendu en fait. Dans le bac, les gars, est-ce qu'il y a Visa? Visa. Bip bip. Sur secrétaire, c'est proche BP, proxy. Ouais, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. On monte colis au pire. Clutch. Ouais, oula. Non, je le vois même pas. C'est ouf. Je le vois pas. Ah, il était là, ok. Bon, bah voilà. Oh, mauvaise frappe. Mauvaise frappe. Ah, tu meurs à cause du boubou. Hein. Bon, de toute façon, c'est en BO3, hein. On va pas se décourager. Non, parce que là, il y a eu toujours cette mauvaise prep. Et je pense qu'il faudrait que tu lui mettes le castle top colimaçon, Baggy, parce que ça fait chier quand même. Je vais le mettre. Mais il y avait du roaming ou pas en bas? Bah oui, il y avait moi. J'en ai eu un colimaçon, et puis après, je me suis fait baiser. Hein, voilà. Ok. Je peux vite aller pisser ou j'ai pas le temps d'aller pisser là? Mais vas-y là, dépêche-toi. Voilà. Comme ça je vais prendre à boire en même temps. Oui, va prendre à boire, bah oui. Il est bourré ou pas encore? Ouais, non, pas encore. Non, pas encore. Ouais, c'est bien ça le problème d'ailleurs, hein, je pense. Hein. C'est incroyable. Il n'y a pas vraiment de différence dans son gameplay entre quand il est sobre et quand il est totalement arraché. Hein. J'essaye de me dire, ouais, peut-être qu'il réfléchit mieux et tout, mais non. Hein. Donc c'est quoi le mieux, qu'il reste sobre ou qu'il s'arrache la gueule? Je sais pas. Je ne sais pas. Gueule, parce qu'il dit juste des conneries. Il est nul à chier, quoi. Voilà, donc au moins on rigole, tu vois. Mais non. C'est quand il est bourré. Sans la défaite. Ah bah elle est là, ça ma parle, femme. Ça parle. Dis bonjour. Bonjour. Dis bonjour, c'est au cas où. Bonjour Sophie. Viens dire bonjour. Viens ici, viens là. T'as mat la houppette qu'il a, regarde. Si, faut raser ça. Et cette fois, vous les laissez pas boire autant. Ah hein. Mais c'était pas la même vendredi, Nano. C'était une blonde. Il entend rien là, ce trou du cul là. On peut l'insulter. Non, là. Il entend rien. Oui, ah, tu peux l'insulter. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Donc vous essayez qu'ils boivent pas trop cette fois. Ouais, la bouteille d'eau, c'est pas de l'eau. Il hein. a amené quoi là à côté? La tisane. Ah ouais, ça va. Donc tu lui as dit plus de raisin. Mais de la tisane. C'est ça l'idée. Non mais Steph, attends, il y a trois tisanes sur le truc. Tu m'expliques? Ouais, bon, bref, bon courage avec lui. Hein. Ouais, bah bon courage. C'est pas nous qui dormons avec lui derrière. Hein. Je dors avant lui. Alors profitez. C'est bien. Bisous. Non. Ciao. Tisane. Non mais... Allez, s'il te plaît, c'est mon petit moment de... L'autre, c'est... Hier, t'étais fin bourré, j'ai rien dit. Hein. T'arrivais, t'avais les yeux qui se croisaient, j'ai rien dit. Hein. Elle avait les yeux comme ça, elle me disait « Mais non, ça va bien. »